Moi, je trouve les scénarios étaient vraiment, de le début, c'était un très, très intéressant pour moi. Et en plus, avec un metteur en scène qui était, qui est vraiment jeune, c'est un expériment pour moi toujours quand je travaille. Chaque film, c'est un expériment pour moi. Et en ce cas-là, c'était encore plus intéressant parce que les scénarios, c'était vraiment extraordinaire. C'était un truc très psychologique et avec un metteur en scène assez jeune, c'était vraiment. J'étais curieux, quoi. On a tous aidé Kevin, mais il a des idées très, très, très fortes. Et ça, il faut donner son énergie à Kevin pour lui aider de réaliser les idées. Sur les courts-métrages, on peut essayer des choses, on peut. C'est un champ où on peut essayer des choses plus que dans les longs métrages et des téléfilms, par exemple. Tout est vraiment très clair, quoi faire, quoi, les caractères et tout ça. Ici, c'était, comme j'ai dit, c'était un expériment pour moi. Je ne veux pas de toi. Dégage, Wall! Cette nuit-là a été fatale, certes. Mais on ne peut ni toi ni moi revenir en arrière. Qu'est-ce que tu cherches? Dans un caractère comme ça, on peut faire tous, parce que ça se passe dans la tête, dans l'imagination d'une autre personnage. Et ça veut dire, je peux tous faire, parce que je suis absolument libre, comme acteur aussi. On ne joue pas un caractère qui est mort ou qui n'existe pas, bien sûr. On joue un caractère qui existe, qui est très réel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grande différence entre un caractère comme ça, qui existe seulement dans la tête d'un autre personnage, ou d'un mec qui est réel. On a fait un film, c'est pas réel du tout. C'est déjà de la fantaisie. J'ai sacrifié ma vie pour elle. J'ai tout quitté. Ma fille que j'aime tant. Et Agnès m'a aidé beaucoup, même bien sûr avec la langue et tout ça. En plus parce que je suis allemand. Et je ne parle pas comme un caractère allemand de... je crois. Avec la langue et aussi la proximité, on dit ça, la proximité. Je t'en prie, marche. Reviens un peu à la réalité. Parce que tu crois en me mettant dans le mauvais rôle, en pensant que je veux vous faire du mal. Tu vas oublier ce que tu as fait. On a eu des répètes ensemble et ça c'était vraiment très important pour nous parce que quand même on a joué un couple, même si c'était un couple qui n'existe plus. Tu me manques tellement, Marge. Je t'aime. C'est nécessaire d'avoir l'air d'être connu de l'autre personnage ou d'autres personnes. Et pour ça, on a eu de la chance, parce que non, c'est pas normal d'avoir la possibilité de faire des répètes. Il me reste un metteur en scène qui sait exactement ce qu'il veut, ne sait pas toujours comment y arriver, mais il sait exactement ce qu'il veut. Ça, c'est très, très, très rare, parce que normalement, on trouve très souvent des metteurs en scène qui font un film, mais
il y en a beaucoup de problèmes techniciens et tout ça. Et après, on a fait un film, mais c'est très rare ce qu'on a un metteur en scène qui est là avec son cœur et avec son tête pour réaliser un film comme ça. Ça, c'était vraiment extraordinaire pour moi.